la pire décision que le ministre pouvait prendre, puisque non seulement il prononce le doublement de la 9, mais en plus dans ses versions la plus longue, que Jean-Louis Borloo avait déjà abandonné, et que les services eux-mêmes, dans leur rapport, même s'ils préconisaient un doublement court. Aujourd'hui, on voit simplement que ce ministre piétine totalement le Grenelle de l'environnement, puisque en fait, on va offrir un boulevard à grande vitesse pour les camions espagnols, sans rien résoudre des problèmes de bouchons à Montpellier, c'est ça qui est grave. Et au passage, il faut le dire aussi, en laissant une ardoise faramineuse pour les collectivités locales. Donc c'est vraiment, à tout point de vue, une très mauvaise décision de l'État.